Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous sommes à Décibel. Donc là maintenant il y a D-Block et Stéphane qui mixent. Et donc on va aller checker ça tout de suite. Il met un petit bandana, je me demande bien où il a eu cette idée là. Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aucune originalité, aucune. C'est quoi ce truc? Ah, c'est trop fort. La scène The Weeknd du camping. Ah ouais, donc je vous explique, là c'est que le camping. Le festival ouvre demain seulement. Donc là c'est que pour le camping. Donc comme je disais tout à l'heure, les deux scènes ici sont sur le camping. Donc il y a plein d'animations ici sur le camping. Et le festival n'a pas encore ouvert, il ouvre demain. Et dimanche, la fête se passe qu'au camping. Du coup, je peux pas encore juger le festival en lui-même. En tout cas, si c'est aussi énorme que le camping là pour le moment, ça risque d'être ultra sale et d'être vraiment vraiment bien. Il y a du décor à fond. Et bon, on est clairement dans la forêt, on se croirait à une fête foraine. Il suffit que je vous tourne la caméra pour que vous le voyez. Il va bien là. Un transat, Décibel, c'est parfait. You got it. Rejecta. Il y avait Angerfish sur la main, mais je l'ai tellement vu. Donc là maintenant j'avais envie de tester Rejecta. Petit artiste rock. Bon, Rejecta c'était lourd. Là maintenant c'est Luna. Et je vais quand même aller un petit peu sur Angerfish parce que bon, on va pas dire qu'il monte, mais un petit peu. Décibel jour 1, c'est fini pour moi, il est 1h30 au matin. Bon, j'aurais bien aimé aller voir Rebellion, mais le souci c'est que demain ça commence à 11h et j'ai envie d'être au taquet pour voir quel tech à l'ouverture de la main stage. Du coup, on va aller faire dodo. Deuxième jour dans le festival et vous pouvez apprécier la scène Pussy Lounge. Attention, crocodile! Bon, je n'ai pas encore vu la main stage. Elle est juste à côté de moi, mais je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Toujours pas vu. Donc là, elle est là derrière. J'ai toujours pas vu. Oh. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Chaotic hostility. Un petit peu calme, hein. Et là, on va prendre le petit bateau. On est sur l'eau. Je suis sur un bateau. On dirait la maison des poupées à Disney. Oh, des danseuses. Attention, la main stage, prudent. Oh. Ouais. Rencontre abonné dans 5 petites minutes. Je m'y dirige tout doucement. Together.
La Twinkers. Go, il balance les canards. J'ai jamais fait de tri-partie de ma vie, mais je pense que si j'en fais une, ça devrait ressembler plus ou moins à ça. J'ai trouvé l'homme jetpack. Bon, jetpack de bière, mais jetpack quand même. Et si je vous dis que là, on est à l'intérieur de la main stage, là, on a vu... Creative response, 170 BPM. Immense, le festival est vraiment super grand pour aller à la Pussy Lounge parce que j'ai pas été beaucoup aujourd'hui. J'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble de nuit et je vais aller filmer ça. Et ensuite, je retourne à la main stage voir l'end show. La jolie grande roue, coucou! Et c'est qui va encore manger comme un gros porc? C'est moi! Retour au camping, j'ai encore ma voix, ouais je l'ai pas perdu. Et du coup là maintenant je vais aller faire dodo parce que je suis complètement fatigué. Demain je vais me lever tôt pour continuer à tourner la vidéo. Bonne nuit à tous. En fait pour vous ça va durer genre une seconde le moment où je vais aller dormir et où je vais reprendre le rush d'après. Mais en fait il y aura toute une nuit qui sera passée. C'est le paradoxe du montage. Troisième jour de festival, alors comme vous avez pu voir, il y avait un peu le bordel aux douches. Je voulais aller me laver, mais du coup j'ai dû me laver en dehors de ma tente, vu que les douches étaient un petit peu bloquées parce qu'il y avait Speed Noise qui était occupé de mixer. Et là, ils ont ramené une petite salle de sport juste là derrière. Enfin, ils sont plus occupés de faire du crossfit. Pas mal stylé. Et là, il fait un de ces calmes dans le festival, enfin dans le camping, ça fait du bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Alors Decibel, c'est un festival que j'avais jamais fait, c'était la première fois pour moi. Et il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'en fait le festival se déroule du samedi et le vendredi et le dimanche est exclusivement réservé aux campeurs. Je me disais bien aussi en regardant la line-up qu'il y avait un petit souci avec les scènes. Le cadre est magnifique, je pense que c'est le festival le plus grand que j'ai pu faire. Il est vraiment immense, avec une partie dans la forêt, une partie sur la route, c'est vraiment un truc de dingue. Les scènes sont super belles. Quand on voit la taille de cette main stage et les finitions qu'il peut y avoir, c'est un truc de malade. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas su filmer beaucoup le dimanche à Decibel parce que le lendemain je travaillais. Du coup je me suis dépêché d'aller voir Sandrush, de finir leur set avant de démarrer pour retourner chez moi. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Rejoins-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Les liens sont dans la description. Abonne-toi pour être au courant de toutes les vidéos. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de Decibel. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.